Nous arrivons maintenant au moment de la prière. Comme vous le savez, je vous demande toujours une chose. Je vous demande la foi. Ayez la foi. Ne doutez pas. Dieu est capable. Et comme d'habitude, je m'appuie toujours sur une parole. Je vais m'appuyer sur Matthieu 10, verset 1. C'est écrit, « Puis ayant appelé ses 12 disciples, il leur donna le pouvoir de chasser les esprits impurs et de guérir toute maladie et de toute infirmité. » Jésus a donné son pouvoir à ses disciples et aujourd'hui, nous avons son pouvoir. Au nom de Jésus, nous avons ce pouvoir de prier et de chasser les esprits impurs, de chasser les démons, de briser les liens du diable. Il y a des liens qui vont être brisés maintenant. Il y a des maladies et des infirmités qui vont être guéries au nom de Jésus. Je sens déjà la puissance de Dieu. Il y a des gens qui vont être libérés. Il y a des familles qui seront libérées parce qu'il y a la puissance de Dieu. Jésus a donné son pouvoir. Ayez la foi. Saisissez cette opportunité. C'est le pouvoir qu'il nous a donné. C'est pas donné à Pierre ou à André ou à Simon. C'est donné à qui? Qu'on croit, si tu crois en Jésus, si tu crois que tu es le Fils de Dieu, par le sang de Jésus, on va prier et ce pouvoir va agir maintenant. Je sens déjà la manifestation. Ne sois pas distrait. Va dans un endroit calme. Ne sois pas distrait. Attends-toi à être visité. Mets la main là où tu souffres. Si tu ne sais pas où mettre ta main, mets la main sur le cœur. Je vais mentionner quelques maladies. Même si je ne cite pas ta maladie, même si tu n'entends pas ta maladie, ça ne veut pas dire que tu n'es pas guéri. Mais parce que le Seigneur ne cherche pas que je cite le nom de ta maladie, le Seigneur veut seulement voir ta foi. Si tu as la foi, tu vas voir la gloire de Dieu. Dans quelques secondes, on va commencer la prière. Dieu vivant, Dieu tout-puissant, El Shaddai, Dieu d'Abraham, d'Isaac, de Jacob, je viens devant toi au nom de Jésus parce que j'ai la foi que tu es le même hier, aujourd'hui, éternellement. Nous venons de lire ta parole qui dit que tu nous as donné le pouvoir de chasser les démons, le pouvoir de guérison, que les maladies seront guéries en ton nom, que rien n'est impossible. Je te montre tous ceux qui sont en train de prier, tous ceux qui ont mis les mains là où ils souffrent. Si quelqu'un a mis la main là où il souffre, c'est parce qu'il croit que tu es capable. Je te remercie. Merci pour tous ces témoignages. Nous avons entendu des témoignages qui prouvent ta grandeur, des témoignages qui montrent ta bonté. Rien n'est impossible. Tu demandes pas beaucoup de choses, tu demandes la foi. Je te montre ceux qui sont à genoux, ceux qui ont mis les mains là où ils souffrent. Si quelqu'un a mis la main où il souffre, c'est parce qu'il a la foi, c'est parce qu'il s'attend à quelque chose. Merci infiniment pour ta présence. Dieu visite déjà son peuple. Dieu nous visite. Si tu es en train de prier avec moi, attends-toi à être visité parce qu'il y a une visitation, il y a une présence extraordinaire du Saint-Esprit. Je sens la présence du Saint-Esprit. Il y a quelqu'un qui est en train de prier avec moi, qui est lié par l'esprit de suicide. Ça fait des jours que tu planifies de te tuer, de te suicider. Mais le Seigneur te dit qu'il a besoin de toi. Je condamne cet esprit de suicide. Esprit de suicide, libère ma soeur. Alléluia. Que ma soeur soit libérée. Que cet esprit de suicide fuit. Tu ne vas pas mourir. Tu vas vivre pour proclamer la puissance de Dieu, pour proclamer l'évangile. Dieu a un plan pour toi. Tu n'es pas appelé à te suicider. Tu vas vivre et célébrer le Seigneur. Merci Seigneur de sauver cette vie. À toi la gloire, la puissance et l'honneur. Merci pour les gens que tu as de délivrer. Il y a des gens qui sont liés par des esprits de cauchemar. Vous avez des mauvais rêves. Si tu m'écoutes que tu as des mauvais rêves, tu vois des gens qui te tuent. Tu souffres pendant la nuit. Tu vois les gens qui couchent avec toi. Mets ta main sur la tête parce que le Seigneur est en train de délivrer ceux qui sont liés par les esprits de cauchemar. Vous avez des mauvais rêves, le Seigneur vous libère. Tu vas dormir tranquillement au nom de Jésus. Il y a quelqu'un qui a mangé des choses, qui a été ensorcelé. Tu as été ensorcelé, mais le Seigneur te délivre maintenant. Tu sens des vertiges, tu sens du déséquilibre, tu as l'envie de vomir. Laisse-toi aller, vomis parce que le Seigneur te libère. Tu es libéré au nom de Jésus. Alléluia. Merci Seigneur pour la délivrance. Tu vas servir le Seigneur. Tous les plans de Satan, tout ce que le diable avait planifié contre toi, c'est détruit au nom de Jésus. Il y a des gens qui sont en train d'être libérés de l'esprit de peur. Il y a l'esprit de la peur qui te lie, mais tu es libéré. L'esprit de peur. Si tu as toujours peur, il y a une dame qui n'arrive même pas à dormir la nuit. Tu veux que la lampe soit allumée. Tu as peur la nuit parce que l'esprit de peur t'a lié. Mais à partir de maintenant, tu es libre. Reçois la liberté au nom de Jésus. Merci pour les gens que tu es en train de libérer, Seigneur. Il y a quelqu'un qui souffre sur la poitrine. Tu as mis la main sur la poitrine et le Seigneur te libère. Le Seigneur te guérit. Il y a trois personnes qui souffrent sur le dos. Vous avez mis la main sur le dos, mais le Seigneur vous libère. Le Seigneur vous guérit. Il y a la guérison pour ceux qui souffrent au niveau du dos. Si tu souffres au niveau du dos, mets ta main exactement là où tu souffres et aie la foi. Le Saint-Esprit nous visite. Il y a une puissance de guérison. Il y a quelqu'un qui a un problème de perte de mémoire. Mais le Seigneur te ramène la mémoire. Si tu oublies très souvent d'une façon anormale, le Seigneur
te visite. Mets ta main sur la tête et aie la foi que le Seigneur te visite. Il y a une fille qui est en train de prier, qui a un problème de bouton sur le visage. Tu as essayé toutes sortes de pommades, mais le Seigneur te visite. Mets ta main sur le visage et aie la foi. Il y a une dame qui souffre de l'estomac. Depuis des années, ça fait longtemps qu'elle souffre de l'estomac. Mais à partir d'aujourd'hui, reçois la guérison. Il y a quelqu'un qui sent la chaleur. Tu sens la chaleur dans tout le corps. Tu sens la chaleur. C'est comme si c'était du feu. Mais c'est le Saint-Esprit qui te visite. Le Saint-Esprit te visite. Et un couple qui est en train de prier. Vous avez besoin d'un enfant. Le mari est à genoux et a mis les mains sur le ventre de sa femme. Bientôt, tu vas concevoir et tu vas témoigner pour la gloire de Dieu. Merci Seigneur pour cette dame qui a fait plusieurs fausses couches. Il n'y a pas une conception qui dépasse 2 mois. Mais à partir de maintenant, tu vas concevoir un bébé qui va naître dans la gloire de Dieu. Il y a une délivrance. Il y a une grande délivrance. Il y a 2 dames qui souffrent de la frigidité. Vous êtes rigide. Vous n'avez pas l'envie sexuelle. Vous ne voulez pas coucher avec votre mari. Vous n'avez pas de désir envers votre mari. Mais le Seigneur vous libère. Le Seigneur vous guérit. Que cet esprit de frigidité fuit au nom de Jésus. Alléluia. Merci Seigneur pour ta présence. Il y a une dame qui souffre de la sécheresse vaginale. Ça fait longtemps que vous avez essayé avec toutes sortes de médicaments. Mais à partir d'aujourd'hui, vous êtes guéri. Que cette sécheresse vaginale fuit le nom de Jésus. Il y a 2 personnes qui sont guéries de l'hypertension. Un homme et une femme. Vous avez mis la main sur le cœur. Vous avez un problème d'hypertension. À partir d'aujourd'hui, recevez la guérison au nom de Jésus. Il y a quelqu'un qui souffre au niveau des testicules. Il y a un homme qui est en train de prier, qui a des douleurs au niveau des testicules. Mais le Seigneur te guérit. Reçois la guérison. Il y a quelqu'un qui est guéri de l'asthme. Au nom de Jésus, il y a beaucoup de guérisons. Il y a une grande délivrance en ce moment. Quelqu'un qui souffre de l'hémorroïde. Ça fait des années que tu souffres de l'hémorroïde. Mais le Seigneur te visite. Le Seigneur te libère. Merci pour cet homme qui est guéri des reins. Il y a quelqu'un qui souffre au niveau du cœur. Tu as des douleurs au niveau du cœur. Mets ta main sur le cœur et la foi. Merci pour cet ennemi qui fuit le nom de Jésus. Je demande à tous ceux qui sont en train de prier avec moi, ayez la foi que le Seigneur te visite. Si tu souffres au niveau du bras gauche, en dessous du coude, le Seigneur te guérit. Merci Seigneur pour tous ces gens qui sont à genoux, qui sont en train de prier. Merci parce que tu as déjà touché ton peuple. Il y a des gens qui sont en train d'être délivrés maintenant de l'esprit d'adultère et de fornication. Il y a un esprit de fornication et d'adultère qui fuit le nom de Jésus, qui fuit la présence de Jésus. Merci Seigneur pour tous ces jeunes filles et jeunes garçons qui sont en train d'être délivrés de l'esprit de masturbation. Je parle maintenant au nom de Jésus. Je prends autorité sur l'esprit de masturbation de libérer ton peuple. Merci Seigneur pour ta délivrance. Merci pour cet esprit de colère qui est en train de fuir. Si tu es lié par un esprit de colère, c'est le moment de la délivrance. Mets ta main sur la tête parce que tu vas être délivré maintenant. Maintenant même, il y a un esprit de colère qui libère les enfants de Dieu. Alléluia. Merci Seigneur pour l'esprit de divorce. Il y a des couples que le Seigneur est en train de remettre ensemble. Il y a des couples qui sont ensemble, mais qui sont menacés par l'esprit de divorce et de séparation. Que cet esprit de divorce, de séparation fuit la présence de Jésus. Que personne ne sépare ce que le Seigneur a mis ensemble. Si tu es en train de prier avec ton mari ou ta femme, prends sa main et confessez tous les deux que le Seigneur est avec vous. Que l'esprit de divorce, que l'esprit de séparation n'a pas de place dans votre maison. Merci Seigneur pour la délivrance. Il y a une grande délivrance. Je sens la puissance de Dieu. Il y a des gens qui sentent du feu dans le corps parce que le Seigneur est en train de visiter beaucoup de gens maintenant. Il y a quelqu'un qui a été lié, qui a consulté des marabouts et qui a des fétiches, des gris-gris avec toi. C'est le moment de les brûler parce que le Seigneur te visite. Il veut ouvrir des portes dans ta vie. Il veut ton cœur. Il veut te sauver. Que ces gris-gris, ces fétiches soient brûlés au nom de Jésus. Merci parce que tu as visité cet homme, Seigneur. Merci pour ta présence. Il y a 2 personnes qui sont guéries de l'hypertension. Tu souffres de l'hypertension, mets ta main sur le cœur et confesse le nom de Jésus. Je te remercie pour les gens qui sont en train d'être guéris au niveau du dos. Il y a une maman qui souffre énormément au niveau du dos. Mets ta main sur le dos, là où tu souffres, parce que le Seigneur te visite. Il y a quelqu'un qui a des vertiges, mais le Seigneur le visite. Il est en train de toucher quelqu'un qui a des vertiges. Il y a quelqu'un qui sent l'envie de tomber par terre, parce que tellement tu es visité par la puissance du Saint-Esprit. Le Seigneur visite les gens maintenant. Il y a des gens qui sont en train d'être déliés maintenant, au nom de Jésus. Il y a quelqu'un qui souffre au niveau de l'oreille gauche. Tu sens des douleurs dans l'oreille gauche, mais le Seigneur te guérit maintenant. Confesse la guérison au nom de Jésus. Si tu as mal dans le pied gauche, c'est comme s'il y a un clou dans le pied gauche. Mets ta main sur le pied gauche et remercie le Seigneur pour la guérison. Il y a une autre personne qui souffre au niveau de l'aisselle gauche. Mets ta main droite sur l'aisselle gauche et loue le Seigneur pour la guérison. Merci Seigneur pour cette oreille droite qui est guérie maintenant même. Il y a des gens que le Seigneur te guérit qui souffrent du foie. Si tu souffres du foie, si tu as les
hépatite B, l'hépatite C, ou ton foie a un problème, mets ta main sur le ventre et confesse la guérison. Il y a des gens qui sont en train d'être libérés, qui sont en train d'être guéris du foie au nom de Jésus. Merci Seigneur pour ta présence. Je sens la présence de Dieu. Je sens la visitation que je suis. Il y a une maman qui est en train de prier pour un enfant. Il y a beaucoup de samedis que tu as mis la main sur le ventre, mais le Seigneur t'a visité. Tu es enceinte. Elle est enceinte. Je te remercie Seigneur parce que tu l'as déjà visité. Il y a une dame qui prie pour un enfant. Ça fait 5 ans que tu n'arrives pas à concevoir, mais le Seigneur te visite maintenant. C'est ton jour. Reçois la bénédiction de Dieu et confesse la victoire au nom de Jésus. Il y a une dame qui est en train de prier pour son mari qui est impuissant, mais le Seigneur visite ton mari et ton mari est guéri au nom de Jésus. Merci pour ces deux filles qui souffrent des règles douloureuses pendant les menstruations. Elles souffrent énormément. Merci parce que tu les guéris. Merci pour cet homme qui souffre au niveau des testicules. Merci parce que tu viens de guérir ses douleurs. Il y a quelqu'un qui souffre, qui a un problème de nerf sciatique. Merci Seigneur. Il y a une présence. Le Seigneur est en train de visiter les enfants. Il y a des enfants qui sont touchés par le Seigneur. Il y a un enfant qui souffre, qui a un problème de bronchite. Mais le Seigneur visite ton enfant. Priez. Si tu pries pour ton enfant, mets la main sur ton enfant. Et si tu n'es pas avec ton enfant, mets la main sur le cœur et aie la foi que ton enfant est visité. Je te remercie Seigneur parce qu'il y a une puissance. Il y a une visitation. Il y a quelqu'un qui a mis ses deux mains sur les genoux. Tu as mis les deux mains sur les genoux et tu es guéri maintenant. Reçois la guérison au nom de Jésus. Il y a deux dames qui souffrent, qui ont un problème de dépression. Une a mis deux mains sur la tête et a un problème de dépression. Mais le Seigneur te visite. Si tu souffres de la dépression, tu as des crises de dépression, confesse la victoire et la foi. Crois au Seigneur et tu verras sa gloire. Que cet esprit de dépression fuit au nom de Jésus. Cet esprit est enterré au nom de Jésus. Merci pour les deux personnes qui souffrent des intestins et qui sont guéries maintenant même au nom de Jésus. À toi la gloire, Seigneur. Merci pour cette dame qui a un problème de toux allergique. Tu es guérie au nom de Jésus. Je ne peux pas citer toutes les maladies. Il y a beaucoup de maladies que le Seigneur est en train de guérir. Si tu souffres d'une maladie que je n'ai pas citée, aie la foi. Sois convaincu que tu es guéri. Seigneur, je te remercie pour ces miracles. Je te remercie pour ta présence. Loue et je te rends grâce, éternel des armées. Je te remercie pour ta présence et je prie pour toute personne qui est en train de prier avec moi. Nous venons dans ta présence en nous appuyant sur ta parole qui dit qu'avant que nous demandions quoi que ce soit, tu nous as écoutés et tu nous as exaucés. Nous te remercions parce que tu connais d'avance, tu connais mieux que nous nos besoins. Je te remercie pour ta présence. Il y a des gens qui sont déjà touchés, qui sentent la présence de Dieu. Je sens la présence de Dieu, la présence de délivrance. Il y a une dame qui vit grâce à la prostitution. Le Seigneur te délivre. Il y a des liens de prostitution qui sont en train d'être brisés maintenant au nom puissant de Jésus. Tu sens la puissance de Dieu. Libère-toi et ouvre ta bouche et remercie le Seigneur. Invoque le nom de Jésus. Merci Seigneur pour ta présence. Il y a des gens qui sont en train d'être délivrés des liens de l'adultère, de la fornication et de la masturbation. Je sens des liens, des démons, des impudicités qui sont en train de fuir la présence de Jésus. Merci Seigneur pour ta présence. Il y a quelqu'un qui est délivré de l'esprit de la mort. Il y a au moins 3 personnes qui sont liées par l'esprit de la mort dans le nom de Jésus. Soyez libérés. Il y a quelqu'un qui est en train de coûter Kanguka et qui a des gris-gris dans sa maison. Va brûler ces gris-gris parce que le Seigneur te cherche. Il cherche ton cœur. Il veut pénétrer dans ta vie. Il faut que tu brûles ces gris-gris. Il faut que tu te détaches de toute œuvre du diable parce que le Seigneur te cherche. Merci Seigneur pour ta présence. Je sens une grande délivrance. Je sens des gens qui sont en train d'être libérés. Il y a quelqu'un qui sent le feu dans son corps. Il y a quelqu'un qui a envie de vomir. Il y a la puissance de Dieu. Je veux que chacun ouvre la bouche et invoque le nom de Jésus. Parce que c'est Jésus qui libère. C'est Jésus qui délivre. Merci pour cet homme qui est guéri de l'hypertension. Il y a quelqu'un qui est guéri de l'hypertension. Un homme qui a mis la main sur le cœur, qui souffre de l'hypertension. Merci pour cette dame qui souffre de l'infection vaginale. Il y a une dame qui souffre de l'infection vaginale. Tu es guéri au nom de Jésus. Tu dégages la mauvaise odeur, mais le Seigneur te guérit à partir de maintenant. Je te loue, Seigneur, pour les deux dames qui ont mis la main sur le dos. Il y a 2 dames qui sont guéries du dos. Et je sens qu'il y a des gens qui sont en train d'être guéris au niveau du dos. Si tu souffres au niveau du dos, mets ta main sur le dos. Il y a quelqu'un qui a un problème de mauvaise respiration, mais le Seigneur te visite. Reçois la guérison au nom de Jésus. Il y a un homme qui a mis sa main sur le nez. Tu souffres de sinusite. Le Seigneur te visite au nom de Jésus. Reçois la guérison. Il y a une dame qui a mis sa main sur la
gorge. Tu as mis ta main sur la gorge et tu es guéri au nom de Jésus. Tu as un problème de la glande thyroïde, mais le Seigneur te visite. Il y a quelqu'un qui souffre énormément au niveau de l'oreille droite. Tu as mis ta main sur l'oreille droite. Tu souffres, tu sens des douleurs au niveau de l'oreille droite, mais le Seigneur te guérit. Le Seigneur guérit quelqu'un qui souffre de l'asthme. Si tu souffres de l'asthme, reçois la guérison au nom de Jésus. Tu vas commencer à respirer normalement, à vivre normalement dans le nom de Jésus. Je te remercie Seigneur pour ce couple qui vient de prier pour un enfant. Vous avez prié longtemps et bientôt vous allez concevoir. La dame va concevoir au nom de Jésus. Il y a une autre dame qui a un problème d'infection urinaire. Tu souffres de l'infection urinaire, mais le Seigneur te visite. Il y a deux dames qui ont un problème de frigidité, qui sont frigides, mais le Seigneur vous guérit. Seigneur, je te remercie pour ces deux personnes qui souffrent de l'estomac. Il y a un qui vient de passer plus de 10 ans de souffrance de l'estomac, mais aujourd'hui, reçois la guérison, le Seigneur te visite. Il y a une puissance de guérison. Il y a une maman qui souffre de la constipation, mais le Seigneur te touche, le Seigneur te visite. Il y a des filles non mariées qui souffrent des règles douloureuses. Mettez vos mains sur le bas-ventre. Il y a quatre qui sont touchées. À partir de maintenant, vous n'aurez plus cette douleur parce que le Seigneur vous visite. Si tu as la foi, le Seigneur te visite maintenant même. Je te remercie Seigneur pour cet homme qui est guéri de l'hépatite C. Il y a quelqu'un qui souffre de l'hépatite C et je sens la présence de Dieu. Je sens la délivrance. Et il y a une autre dame, ça fait des mois que tu ne vois plus tes règles. Tes règles se sont coupées, mais à partir de maintenant, le Seigneur te libère. Tu vas voir tes règles normalement. Tu vas avoir un cycle normal parce que je suis ta touché au nom de Jésus. Je vais demander à tous ceux qui sont en train de prier avec moi d'élever la foi. Élevez la foi, confessez, dites quelque chose, dites merci Seigneur, parce que le Seigneur touche, il cherche ceux qui ont la foi. Est-ce que tu as la foi? Est-ce que tu crois que tu peux te visiter? Ce qui compte, ce n'est pas que je cite ta maladie, ce n'est pas que je mentionne ta maladie, ce qui compte, c'est que tu aies la foi. Il y a quelqu'un qui a mis la main sur la poitrine, tu souffres au niveau de la poitrine, le Seigneur te touche. Il y a une autre personne qui souffre au niveau des poumons, la maladie des poumons, le Seigneur te guérit. Il y a quelqu'un qui tousse tout le temps, une toux allergique, mais reçoit la guérison. Il y a un homme qui a mis sa main sur ses testicules. Tu as des douleurs au niveau des testicules. Le Seigneur te guérit. Merci Seigneur pour cet homme qui a un problème au niveau de l'oreille gauche. Mais à partir de maintenant, tu le touches. Je te remercie pour cet enfant. Cette maman qui est en train de prier pour son enfant. Il y a son enfant qui a un problème de constipation. Reçois la guérison de ton enfant. Et je demande à tous ceux qui sont en train de prier pour les enfants. Même si ton enfant n'est pas avec toi, mets ta main sur le cœur et aie la foi pour ton enfant. Il y a des enfants qui sont en train d'être libérés maintenant au nom puissant de Jésus. Merci Seigneur pour ta présence. Merci pour ta grandeur. Merci pour cette maman qui est touchée par ta puissance. Il y a une maman qui a mis des deux mains sur la tête. Tu souffres de la dépression. Tu vis grâce aux médicaments, mais à partir d'aujourd'hui, le Seigneur te libère. Il y a une puissance de délivrance qui est en train d'agir maintenant pour tous ceux qui sont en train de prier avec moi. Il y a beaucoup qui sont en train de prier avec moi. Il y a beaucoup qui sont à genoux, mais le Seigneur vous visite. Il y a des liens, des chaînes qui sont en train d'être brisées, des chaînes du diable. Il y a des gens qui sont liés par des esprits de cauchemar. Il y a une puissance de délivrance. Si tu souffres à cause des cauchemars, si tu as de mauvais rêves, tu vois des morts, tu vois des gens qui te font des rapports sexuels, mets ta main sur la tête. Il y a une délivrance. Il y a la puissance de délivrance au nom de Jésus. Merci pour les gens qui sont en train d'être délivrés de l'esprit de masturbation. Il y a des jeunes hommes et des jeunes filles qui sont en train d'être délivrés de la masturbation. Il y a un homme qui est même marié, mais qui est lié par la masturbation. Mais le Seigneur te libère maintenant. Il y a une puissance de délivrance. Je te remercie Seigneur pour l'esprit de l'impudicité qui est en train de fuir ton nom. Il y a l'esprit d'impudicité qui fuit le nom de Jésus. Il y a des gens qui sont liés par l'impudicité et par l'adultère. Il y a des gens qui sont mariés, qui sont liés et maintenant vous êtes libérés au nom de Jésus. Merci pour ta puissance Seigneur de délivrance. Merci pour cet homme qui a un problème de respiration. Il y a quelqu'un qui a un problème de respiration, un homme et une femme. Il y a une femme d'un côté et un homme d'un autre côté. Les deux ont un problème de respiration. Vous avez une mauvaise respiration, et à partir de maintenant, le Seigneur vous visite. Il y a quelqu'un qui est guéri, qui souffrait de la perte de mémoire. Vous n'arrivez pas à garder quelque chose dans la mémoire, mais le Seigneur vous guérit maintenant. Merci pour les gens qui sont en train d'être guéris du dos. Il y a quelqu'un qui souffre au niveau du dos. Mettez la main là où vous souffrez. Si tu souffres au niveau du dos, mets la main là où tu souffres. Merci Seigneur pour les filles. Il y a des filles qui sont en train d'être guéries des règles douloureuses. Vous souffrez énormément pendant la période de menstruation, mais mets ta main sur le bas-ventre et aie la foi au nom de Jésus. Il y a quelqu'un qui souffre beaucoup sur l'oreille gauche. Tiens, mets ta main sur l'oreille gauche.
marche. Mais le Seigneur te libère, le Seigneur te guérit maintenant. Il y a trois personnes, une personne sur l'oreille gauche et deux sur l'oreille droite. Merci Seigneur pour cette maman qui souffre de la tension artérielle. Merci Seigneur parce que tu es en train de toucher beaucoup de gens. Il y a une personne adulte qui fait pipi dans le lit. Chaque matin, tu te retrouves, tu as déjà fait pipi dans le lit, tu n'arrives pas à te retenir. Mais à partir de maintenant, tu es libéré, tu es guéri. Merci Seigneur pour cette dame qui va avoir un enfant. Il y a une dame mariée, ça fait des années que tu n'arrives pas à avoir un enfant. Mais bientôt, tu vas concevoir dans le nom de Jésus. Il y a une dame qui souffre de la frigidité, mais le Seigneur te guérit au nom de Jésus. Il y a deux dames qui ont des fibromes. Les docteurs ont déjà vu les fibromes. Ces fibromes vous empêchent de concevoir. Mais le Seigneur vous guérit et vous aurez un enfant au nom de Jésus. Merci Seigneur pour cette personne qui est guérie de la maladie des nerfs. Il y a quelqu'un qui souffre de la maladie des nerfs. Commence à remercier le Seigneur pour la guérison. Il y a quelqu'un qui est en train de vomir maintenant. Même, c'est un signe de délivrance. Le Seigneur te touche. Il y a une autre personne qui sent le feu dans le corps. Il y a comme un feu qui descend dans le nom de Jésus. Ouvre la bouche et remercie le Seigneur pour la victoire. C'est la victoire, c'est la délivrance. Il y a une maman qui a de prier pour son enfant qui souffre de l'autisme. Ton enfant est guéri dans le nom de Jésus. Il y a des enfants qui sont en train d'être libérés. Le Seigneur est en train de toucher les enfants. Prie pour ton enfant. Prie pour un enfant qui est avec toi. Même si l'enfant n'est pas avec toi, mets la main sur le cœur et confesse que l'enfant est guéri. Confesse avec ta bouche dans le nom de Jésus que ton enfant est guéri. Reçois la guérison au nom de Jésus. Il y a deux personnes qui sont guéries à l'hôpital au nom de Jésus. Et la foi que le Seigneur te touche. Merci Seigneur pour les gens qui sont en train d'être touchés d'une façon extraordinaire. Je sens la puissance de Dieu se manifester. Il y a quelqu'un qui souffre sur l'avant-bras gauche. Tu as des douleurs sur l'avant-bras gauche. Commence à louer le Seigneur pour la guérison. Il y a une maman qui a un problème qui souffre de l'hémorroïde. Et le Seigneur te touche. Merci Seigneur pour la personne qui souffre de la diarrhée. Ça fait 2-3 jours que tu souffres de la diarrhée, mais le Seigneur te guérit. À toi seul la gloire, Seigneur. Nous te remercions pour la puissance de ton nom de Jésus. Rien ne peut résister au nom de Jésus. Que tous les esprits entendent cela. Rien ne peut résister au nom de Jésus. Toute maladie est guérie au nom de Jésus. Il y a quelqu'un qui souffre du cancer. Tu es désespéré. Le docteur t'a découragé, mais le Seigneur est capable de faire ce qui est impossible. Je dis bien ce qui est impossible aux hommes et possible à Dieu. N'aie pas peur de ce cancer, parce que le cancer doit fléchir au nom de Jésus. Devant le nom de Jésus, aucune maladie ne peut résister. Même le cancer est guéri au nom de Jésus. Confesse cela, remercie le Seigneur. Aie confiance au nom de Jésus. Aie confiance dans la parole du Seigneur, parce que les hommes sont limités, mais le Seigneur n'a pas de limite. Merci Seigneur pour la maman qui souffre du sein gauche. Et la maman qui est en train de prier pour le sein gauche, il y a quelqu'un qui souffre des reins. Si tout le rein gauche a des douleurs, le Seigneur te guérit. Je te montre toutes les personnes qui sont à genoux, toutes les personnes qui sont en train de prier. Nous avons la foi que si tu as guéri ceux qui ont témoigné, tu peux aussi nous guérir. Ta parole déclare que tu es le même hier, aujourd'hui, éternellement. On a entendu que notre corps est le temple et c'est ton temple. Nous voulons que tu habites dans notre corps. Merci Seigneur pour ta présence. Merci pour les délivrances. Merci pour les guérisons. Je te montre ceux qui sont en train de prier. Tous ceux qui sont en train de prier, c'est parce qu'ils ont la foi. Merci Seigneur de délivrer ces hommes et ces femmes de l'esprit de la fornication et de l'adultère. Il y a beaucoup de personnes qui sont en train d'être délivrées de l'esprit d'adultère et de fornication. Il y a des liens d'adultère qui sont en train d'être brisés au nom de Jésus. Il y a ceux qui sentent la chaleur, tu sens quelque chose dans le corps, mais le Seigneur vous guérit. C'est le Seigneur qui vous guérit. N'ayez pas peur. Il y a quelqu'un qui a envie de vomir. Vous pouvez vomir. Soyez libre de vomir parce que le Seigneur vous délivre. Il y a la puissance de Dieu. Il y a la puissance du sang de Jésus. Ce que Jésus a fait sur la croix, il a dit que tout est accompli. Merci Seigneur pour ce couple qui était sur le point de divorcer. Ils sont tous les deux en train d'écouter Kanguka, mais tu viens de chasser l'esprit de divorce. Que l'esprit de divorce quitte votre maison au nom de Jésus. Je te remercie Seigneur pour les gens qui sont en train d'être délivrés de l'esprit de la peur. Il y a des gens qui ont la peur. Il y a quelqu'un qui n'arrive même pas à dormir. L'esprit de la peur est en train de fuir la présence de Jésus. Oh, alléluia. Mets ta main sur ta tête et remercie le Seigneur pour la délivrance. Il y a l'esprit de la peur qui fuit maintenant au nom de Jésus. Il y a ceux qui ont un problème de cauchemar, qui n'arrivent pas à dormir. Vous avez de mauvais rêves. Vous vous voyez en train de coucher, de faire l'acte sexuel avec des gens pendant la nuit, où vous voyez les morts, les gens qui sont morts. Que cet esprit de cauchemar fuit. Mets la main sur la tête. Et si tu as des cauchemars, mets la main sur ta tête. Parce que le Seigneur est en train de délivrer, est en train de libérer beaucoup de gens maintenant même. Merci Seigneur pour cette maman qui a un problème de migraine. Il y a une maman qui a mis les deux mains sur la tête. Mais le Seigneur te guérit maintenant.
maintenant de la migraine. Il y a une autre dame qui a un problème de dépression. Mets ta main sur la tête et remercie le Seigneur pour la délivrance de la dépression. Merci Seigneur pour ces gens qui t'ont de guérir sur le dos. Il y a deux mamans qui souffrent énormément sur le dos. Mets ta main là où tu souffres. Il y a des gens qui sont en train d'être guéris. Le Seigneur touche beaucoup de gens sur le dos. Il y a même un homme qui souffre, qui sent des douleurs. Mais le Seigneur est en train de vous guérir. Merci Seigneur pour cette personne qui souffre beaucoup. Tu as beaucoup de douleurs au niveau de l'oreille gauche. Mais le Seigneur te guérit. Mets ta main sur l'oreille gauche et remercie le Seigneur pour la délivrance et pour la guérison. Merci Seigneur pour cette fille. Il y a une fille qui a un problème de boutons sur le visage. Tu as essayé toutes sortes de pommades, mais aujourd'hui le Seigneur te délivre. Merci Seigneur pour cette maman qui a un problème d'insomnie. Tu n'arrives pas à dormir. Parfois tu passes toute la nuit éveillée. Mais à partir d'aujourd'hui, tu as la paix du Seigneur et tu auras le sommeil dans le nom de Jésus. Merci Seigneur pour cet homme qui a un problème d'estomac, qui souffre beaucoup de l'estomac. Mets ta main sur le ventre et remercie le Seigneur pour la guérison. Il y a un autre papa qui a un problème d'intestin et une maman, une dame qui a un problème d'intestin. Deux personnes qui souffrent des intestins, mais le Seigneur vous guérit. Merci Seigneur pour ce couple qui attend un enfant. Ça fait plusieurs samedis que vous priez pour un enfant, mais le Seigneur va vous donner un enfant. Alléluia. Ça fait plus de 10 ans que vous attendez un enfant, mais le Seigneur va vous donner un enfant. Commencez à remercier le Seigneur pour le bébé. Cette année, vous allez recevoir un enfant. Merci Seigneur pour cette dame qui vient de passer 7 ans à attendre. Elle est en train de prier seule. Ton mari n'est pas avec toi, mais le Seigneur va te donner un enfant. Dès que tu rencontreras ton mari, tu vas concevoir dans le nom de Jésus. Il y a une autre personne qui souffre de la constipation. Tu souffres de la constipation, mais le Seigneur te guérit. Il y a un homme qui souffre de l'hypertension. Merci Seigneur pour cet homme qui est guéri de l'hypertension. Si c'est toi qui souffres de l'hypertension, mets ta main sur le cœur et remercie le Seigneur pour la guérison. Il y a une autre personne qui souffre de la maladie des os. Tu souffres beaucoup de la maladie des os, mais le Seigneur t'a touché. Le Seigneur a vu ta maladie et tu es guéri. Une maman qui prie pour son enfant qui souffre des angines et ton enfant est guéri. Et je demande à tous ceux qui sont en train de prier pour les enfants. Le Seigneur est en train de visiter les enfants. Si ton enfant est malade, mets ta main sur ton enfant. Si ton enfant n'est pas avec toi, mets ta main sur le cœur et aie la foi que le Seigneur va toucher ton enfant. Il y a des enfants qui sont en train d'être touchés. Il y a un enfant qui souffre de la fièvre et de la diarrhée, mais le Seigneur t'a touché. Merci Seigneur pour cet enfant qui est guéri. Il y a des enfants qui sont touchés. Il y a deux personnes qui souffrent de l'hépatite C, mais le Seigneur les touche. Je demande à tout le monde de remercier le Seigneur. Que j'ai cité ta maladie ou pas, mais le Seigneur est en train de te visiter. Le Seigneur cherche ceux qui ont la foi. Merci Seigneur pour cet homme qui souffre de la VC. Ça fait longtemps qu'il souffre de la VC. Il y a le côté gauche qui est paralysé, mais le Seigneur te touche. Et la foi, tu vas marcher comme tout le monde, tu vas reprendre la vie comme tout le monde, parce que le Seigneur t'a visité. Ceux qui sont en train de prier pour lui, mettez la main sur lui et remerciez le Seigneur pour la guérison. Merci Seigneur pour cet homme qui est guéri et un homme qui a été ensorcelé. Tu as été ensorcelé et tu t'es engagé dans des choses de l'envoûtement, des choses sataniques, mais le Seigneur te délivre. Il y a une puissance extraordinaire qui te visite. Tu perds l'équilibre, tu as envie de tomber, tu as envie de vomir, mais le Seigneur te visite, le Seigneur te touche. Si tu peux parler, ouvre la bouche, appelle Jésus, prononce le nom de Jésus, parce que tu es délivré au nom de Jésus. Merci Seigneur pour ces gens qui sont en train d'être guéris. Il y a quelqu'un qui a un problème de vertige, mais le Seigneur te guérit. Dieu, il y a une maman qui est déterminée. Elle a dit, aujourd'hui c'est mon jour, et aujourd'hui c'est ton jour, parce que je suis ta touché, ta visité. Tu as un problème de migraine, tu as des maux de tête, tu ne supportes pas le bruit, tu as toujours mal à la tête, tout le temps, mais à partir de maintenant, reçois la guérison. Tu as mis tes deux mains sur la tête, et le Seigneur te visite, et tu es libéré. Proclame la victoire au nom de Jésus. Merci Seigneur pour ces gens qui sont en train d'être libérés de l'esprit d'impudicité. Il y a un démon, le démon d'impudicité qui est en train de libérer les enfants de Dieu. Il y a des gens qui sont libérés, qui étaient liés par l'esprit d'impudicité et d'adultère. Il y a un homme qui est marié, qui est adultère, mais que le Seigneur libère maintenant. Il y a des gens qui sont en train d'être libérés. Il y a des jeunes qui sont libérés de l'esprit de masturbation. Je te remercie Seigneur pour ta présence. Tu es en train de libérer, tu es en train de guérir tes enfants. Et un jeune homme et deux filles qui sont libérés de l'esprit de pornographie. Je te remercie pour ta présence Seigneur. Il y a quelqu'un qui sent des vertiges, une maman qui sent des vertiges. C'est comme si tu veux tomber, tu as beaucoup de vertiges. Le Seigneur te libère. Reçois la guérison. Ouvre ta bouche et loue le Seigneur pour la guérison. Merci Seigneur pour cette personne qui est guérie de l'anémie. Il y a quelqu'un qui est guéri de l'anémie. Il y a une autre personne qui a des maux de ventre. Tu souffres au niveau de ton ventre. Il y a quelqu'un qui souffre, qui a des douleurs au niveau du dos. Il y a deux mamans qui souffrent au niveau du dos. Mets ta main là où tu souffres. Le Seigneur te visite. Le Seigneur te touche. Il y a quelqu'un qui a un problème de perte de mémoire. Le Seigneur recouvre ta mémoire. Tu vas commencer à te rappeler des choses. Le Seigneur t'a visité. Merci Seigneur pour cet homme qui a un problème d'infection
infection pulmonaire. Mets ta main sur ta poitrine et remercie le Seigneur pour la guérison. Il y a une fille qui a des boutons. Tu as des boutons dans le visage. Tu as beaucoup de boutons. Le Seigneur te guérit. Tu as essayé toutes sortes de pommades. Il y a quelqu'un qui a pris son poignet gauche. Ton poignet gauche te fait mal, mais à partir de maintenant, reçois la guérison. Ouvre ta bouche et dis, Seigneur, merci pour la guérison. Ton poignet est guéri. Tu sens les douleurs en dessous du dos côté gauche. Le Seigneur te touche. Il y a des douleurs qui fuient la présence de Je suis. Merci Seigneur pour la personne qui a mis sa main sur l'oreille gauche. Tu souffres au niveau de l'oreille gauche et tu sens beaucoup de douleur, mais le Seigneur te touche. Le Seigneur te libère. Il y a quelqu'un qui souffre sur le bras gauche, tout près du coude. Le Seigneur te libère maintenant. Reçois la guérison. Il y a une autre personne qui a mis sa main sur le genou gauche. Ton genou gauche te fait mal, mais le Seigneur te guérit. Reçois la guérison au nom de Jésus. Merci Seigneur pour ta présence. Alléluia. Il y a deux mamans qui sont enceintes. Mettez vos mains sur le ventre. Je prie pour ces bébés. Si tu es enceinte, mets la main sur le ventre. Mais il y a deux mamans qui sont menacées et je prie pour la naissance de ces deux enfants. Que ces deux enfants qui sont menacés naissent au nom de Jésus sans problème. Je détruis tout esprit de fausse couche au nom de Jésus. Merci Seigneur pour cette maman qui est guérie. Ça fait longtemps que tu souffres de la sécheresse vaginale. Tu as essayé toutes sortes de médicaments, mais le Seigneur te visite. Reçois la guérison. Il y a deux autres mamans qui ont des fibromes et l'une a été bloquée et n'a jamais pu enfanter. Mais à partir de maintenant, tu es libéré et tu auras un enfant au nom de Jésus. Il y a une maman qui est en train de prier. Ça fait le samedi que tu pries pour avoir un enfant, mais tu es déjà enceinte au nom de Jésus. Il y a quelqu'un qui souffre beaucoup, qui a des douleurs côté gauche, sur la côte côté gauche, mais le Seigneur te visite. Il y a vraiment une manifestation. Il y a quelqu'un qui est en train de vomir. Tu sens la nausée, vomis. Laisse-toi aller. Le Seigneur te délivre. Le Seigneur te touche. Il y a quelqu'un qui a été lié par l'esprit satanique. Tu as consulté des marabouts, mais le Seigneur te libère maintenant au nom de Jésus. Il y a une personne qui a mis sa main sur la gorge. Peu importe la maladie que tu as, le Seigneur te guérit. Les douleurs que tu avais sur la gorge, mets ta main sur la gorge et aie la foi que le Seigneur te visite. Merci Seigneur pour cet homme qui a un problème d'insuffisance rénale. Il y a un homme qui a un problème d'insuffisance rénale. Tu as des tubes avec toi, mais le Seigneur te libère. Le Seigneur te guérit. Reçois la guérison maintenant parce que le Seigneur t'a touché. Si tu as un problème d'insuffisance rénale, le Seigneur te guérit au nom de Jésus. Merci Seigneur pour la personne. Il y a une autre personne qui souffre, qui est guérie au niveau de l'oreille gauche. Il y a un enfant qui a un problème de fièvre. Merci pour la guérison de cet enfant, Seigneur. Je prie pour tous les enfants. Si tu es en train de prier pour ton enfant ou un autre enfant, aie la foi que le Seigneur l'a visité. Le Seigneur est en train de toucher beaucoup d'enfants maintenant, au nom de Jésus. Aie la foi que ton enfant est guéri. Si tu es avec ton enfant, mets ta main sur l'enfant. Merci, Seigneur, pour la personne que tu guéris, qui a les blessures au niveau de la bouche. Il y a une personne qui a des blessures dans la bouche. Elle est guérie au nom de Jésus. À toi la gloire, à toi la puissance, à toi l'honneur pour des siècles et des siècles. Je te remercie parce que tu as de toucher beaucoup de gens. Il y a des gens qui sont en train d'être touchés. Il y a quelqu'un qui souffre de l'hypertension. Mets ta main sur le cœur. Si tu as un problème de cœur, mets ta main sur le cœur. Merci Seigneur pour la personne qui a un problème de tension artérielle. Seigneur, tu es grand. Je sens la guérison. Je sens la délivrance. Je sens des démons qui fuient. Je demande à toute personne qui prie avec moi de louer le Seigneur. Une maman qui souffre, qui a mis sa main sur le bas ventre. Tu as des douleurs. Le Seigneur te guérit maintenant même. Les gens, il y a quelqu'un qui est déjà touché, qui a des douleurs au niveau des yeux. Tu as mis ta main sur les yeux. Le Seigneur te délivre. Le Seigneur te guérit au nom de Jésus. Merci Seigneur pour les personnes qui sont en train d'être délivrées de l'esprit de la mort. Il y a des gens qui sont en train de prier avec moi qui sont liés par l'esprit de la mort. Tu n'arrives pas à dormir la nuit. Tu as toujours peur. Il y a quelqu'un qui passe la nuit, la lampe allumée parce qu'il est lié par l'esprit de la mort. Que cet esprit de la mort fuit la présence de Jésus. Merci Seigneur parce que tu viens de te délivrer. Si tu as des cauchemars, tu as des mauvais rêves pendant la nuit, mets ta main sur la tête et le Seigneur te délivre. Il y a des gens qui sont en train d'être délivrés. Il y a des liens qui se brisent maintenant même au nom de Jésus. Il y a une fille qui est en train de prier pour le mariage. Ça fait des samedis que tu pries, que tu mets ta main sur le cœur pour le mariage. Le Seigneur a entendu ta prière. Le Seigneur ouvre la porte et bientôt tu vas rencontrer l'homme qui sera ton mari. Merci Seigneur pour ta présence. Il y a deux dames qui ont été ensorcelées. Au nom de Jésus, le Seigneur vous délivre. Il y a quelqu'un qui souffre beaucoup sur le cou côté gauche. Tu as mis ta main sur le cou côté gauche, mais le Seigneur te voit et il te touche et il te guérit. Reçois la guérison au nom de Jésus. Il y a quelqu'un qui a la maladie des nerfs. Tu souffres beaucoup de la maladie des nerfs. Le Seigneur te guérit. Merci Seigneur pour la dame qui a mis sa main sur le sein côté droit. Tu as des douleurs au niveau de ton sein. Le Seigneur te guérit. Il y a quelqu'un qui est en train de vomir parce que le Seigneur te visite. Il y a une délivrance. Il y a une puissance. Je sens la puissance de Dieu qui est en train de toucher le peuple de Dieu. Il y a deux mamans qui souffrent de l'infection vaginale. Le Seigneur vous guérit.
guéris maintenant même. Il y a trois personnes qui souffrent au niveau du dos. Mets la main là où tu souffres. Si tu as des douleurs au niveau du dos, mets la main exactement là où tu souffres et aie la foi. Le Seigneur a vu ta douleur. Il y a quelqu'un qui n'arrive même pas à se courber à cause des maux de dos, mais le Seigneur te guérit. Merci Seigneur pour ta présence. Il y a deux personnes, un homme et une femme qui souffrent de diabète. La femme a souffert de diabète pendant plusieurs années, mais à partir de maintenant, reçoit la guérison. Je vous demande d'ouvrir votre bouche et de remercier le Seigneur pour la guérison. Je sens la puissance de Dieu. Il y a deux femmes qui sont en train de prier pour un enfant qui vont concevoir bientôt. Mets ta main sur le ventre et aie la foi. Croyez que le Seigneur est en train d'agir. Il veut ta foi. Il y a une dame qui est en train de prier pour son mari qui est impuissant, mais le Seigneur le guérit. Je te remercie Seigneur pour cet homme qui a mis ses deux mains sur les testicules parce qu'il souffre au niveau des testicules. Mais je te remercie parce que tu l'as vu et tu le touches, tu le visites. Merci pour ta présence Seigneur. Il y a quelqu'un qui a mis deux mains sur la tête. Il y a des maux de tête chroniques. Tu souffres des maux de tête tous les jours. Tu prends les médicaments, ça ne marche pas. Tu vis avec ça longtemps, mais le Seigneur veut mettre une croix à cette malédiction. Reçois la guérison. Ouvre la bouche. Si c'est toi qui as des maux de tête tout le temps, qui ne s'arrêtent pas, qui te font très mal, mais le Seigneur veut te visiter. Demande seulement une parole qui vient de Jésus et tu es guéri au nom de Jésus. Merci Seigneur. Il y a quelqu'un qui a envie de prier pour une autre personne qui est à l'hôpital, dans les soins intensifs. Le Seigneur le voit et le Seigneur le guérit. Merci pour cet enfant qui est guéri des angines. Il y a une maman qui prie pour son enfant qui souffre des angines. Mets ta main sur la gorge et reçois la guérison. Je demande à tous ceux qui sont en train de prier pour les enfants. Si tu pries pour ton enfant ou un autre enfant, même s'il n'est pas avec toi, mets ta main sur le cœur et aie la foi. Le Seigneur est en train d'agir. Il y a une puissance et le diable est vaincu. Tout ce qu'il nous faut, c'est la parole de Je suis. Et la parole de Je suis libère. Merci pour cette dame qui est guérie de l'infection vaginale. Il y a quelqu'un qui a mis sa main sur l'oreille gauche. Tu souffres énormément. Tu as beaucoup de douleurs dans l'oreille gauche. Mets ta main sur l'oreille et aie la foi. Merci pour cette délivrance. Il y a deux personnes qui souffrent au niveau de l'oreille gauche, mais le Seigneur vous guérit. Je te remercie Seigneur pour ta présence. Je te remercie pour cette maman qui souffre de la constipation. Ça fait beaucoup d'années que tu souffres de la constipation, mais le Seigneur t'a vu. À toi la gloire Seigneur, à toi la puissance. Il y a deux dames qui ont été ensorcelées, que tu délivres. Je sens la puissance. Une des deux dames sent quelque chose comme le feu, la chaleur dans ton corps, mais le Seigneur te visite. Il y a quelqu'un qui est tombé maintenant et qui vomit. Tu as de vomir parce que le Seigneur te libère, le Seigneur te délivre. Il y a la délivrance, il y a la puissance de Dieu. Je sens une grande puissance de Dieu. Il y a quelqu'un qui est guéri du virus du sida. Rien n'est impossible à Dieu parce qu'il est présent. Il veut nous guérir, il veut nous visiter. Je sens sa présence. Il y a une dame qui a une toux allergique. Tu tousses tout le temps, ça ne s'arrête pas. Mais à partir de maintenant, tu es libéré. Reçois la guérison. Merci Seigneur pour ta présence. Merci pour les miracles. Il y a quelqu'un qui souffre au niveau du genou gauche. Tu as mis ta main sur le genou gauche et le Seigneur te guérit. Il y a une autre personne qui a mis sa main droite dans l'aisselle gauche, mais le Seigneur te guérit. Reçois la guérison. Recevez la guérison. Il y a une dame qui souffre de l'hémorroïde. Le Seigneur t'a touché. Reçois la guérison. Ouvre la bouche et remercie le Seigneur pour la guérison. Ton hémorroïde est guéri dans le nom de Jésus. Tu es Seigneur et tu es capable. Et je sens beaucoup d'esprits, beaucoup de démons de fornication et d'adultère qui fuient. Ils sont de fuir parce qu'il y a la puissance de Dieu. Il y a la présence de Jésus. Toute maladie, toute infirmité, tout lien doit être brisé au nom de Jésus. Il y a des jeunes qui sont en train d'être libérés de l'esprit de masturbation. Il y a l'esprit de masturbation qui n'a pas de pouvoir devant le nom de Jésus. Merci Seigneur pour ces hommes et ces femmes qui sont libérés, qui sont délivrés de l'esprit d'adultère. Il y a l'esprit d'infidélité. Je sens l'esprit d'infidélité. Les couples mariés qui sont infidèles, soyez libérés, soyez délivrés au nom de Jésus. Il y a la délivrance, il y a la puissance. Je sens la puissance de Dieu. Il y a des gens qui sont en train d'être libérés. Il y a quelqu'un qui m'écoute, qui est en train de prier avec moi, qui a été ensorcelé. Tu n'arrives plus à manger. Tu as perdu du poids. Tu as beaucoup amaigri. Mais le Seigneur te libère. Le Seigneur te délivre. À partir d'aujourd'hui, tu es libre. Cette sorcellerie n'a plus de pouvoir sur toi. Tu vas commencer à manger comme tu n'avais jamais mangé parce que la puissance de Dieu t'a visité. Merci Seigneur pour la personne qui a un visage gonflé. Tu as mis tes mains sur le visage parce que ton visage est gonflé. Mais le Seigneur te guérit maintenant même. Il y a quelqu'un qui souffre au niveau du cœur. Tu as mis ta main sur le cœur parce que tu souffres. Tu sens des douleurs au niveau du cœur, mais le Seigneur t'a libéré, t'a guéri. Reçois la guérison au nom de Jésus. Il y a deux personnes qui ont un problème de tension artérielle. Si c'est toi qui as un problème de tension artérielle, le Seigneur t'a visité. Reçois la guérison.
guérison et la foi que tu sens ta manifestation ou pas et la foi que le Seigneur te guérit. Merci Seigneur pour tous ceux qui sont en train de te guérir au niveau du dos. Il y a des gens qui souffrent au niveau du dos. Tu sens beaucoup de douleur au niveau du dos. Mets la main là où tu souffres. Tu sens quelque chose. Il y a quelqu'un qui souffre côté droit. Mets la main là où tu souffres. Il y a deux personnes qui sont guéries du dos. Si tu pries avec moi et que tu souffres au niveau du dos, peu importe là où tu souffres, mets la main là où tu souffres et la foi. Le Seigneur te guérit. Il y a quelqu'un qui a mis sa main sur l'avant-bras, près de la main droite. Tu as beaucoup de douleur au niveau de l'avant-bras, près de la main droite. Ouvre la bouche et remets sur le Seigneur pour la guérison. Il y a beaucoup de guérison. Je sens les gens qui sont en train d'être guéris. Il y a un couple qui est en train de prier pour un enfant. Bientôt, vous allez avoir un enfant. Ça fait des samedis que vous mettez la main sur le ventre. Le mari a mis la main sur sa femme. Le Seigneur va te donner un enfant très bientôt. Commencez à remercier le Seigneur pour le miracle. Il y a une dame qui est en train de prier. Tu n'es pas avec ton mari n'est pas présent. Ça fait 5 ans que tu n'as pas d'enfant. Mais le Seigneur va te donner un enfant. Dès que le mari sera là, tu vas concevoir dans le nom de Jésus. Commence à louer le Seigneur. Il y a deux dames qui sont en train de prier pour leur mari qui sont impuissants. Que cet esprit d'impuissance vous quitte au nom de Jésus. Vos maris sont libérés. Commence à louer le Seigneur parce que ton mari est libéré au nom de Jésus. Il y a une dame qui est guérie de la frigidité. Tu es frigide. Tu ne désires plus ton mari, mais le Seigneur te libère, te guérit au nom de Jésus. Il y a quelqu'un qui est guéri des sinusites. Si tu souffres de sinusites, mets ta main sur le nez et commence à louer le Seigneur. Il y a une dame qui est guérie de l'infection vaginale. Tu souffres beaucoup de l'infection vaginale. Tu veux toujours te gratter, mais le Seigneur te guérit. Reçois la guérison. Que toute femme qui souffre de l'infection vaginale loue le Seigneur pour la guérison. Parce qu'il y a la guérison de l'infection vaginale. Je sens une autre qui souffre de l'infection urinaire. Tu souffres de l'infection urinaire. Commence à louer le Seigneur. Il y a des mamans qui sont touchées. Il y a la puissance de Dieu. Si tu souffres, peu importe. Je demande à toutes les dames qui ont mis les mains sur le bas-ventre, loue le Seigneur. Même les filles qui sont de prier pour la guérison des règles douloureuses. Vous souffrez beaucoup, mais le Seigneur vous visite. Il y a la délivrance. Je sens la puissance de Dieu. Il y a une maman qui a mis sa main sur le sein. Tu as des douleurs au niveau du sein. Mais le Seigneur te guérit maintenant. Quelqu'un souffre beaucoup dans l'oreille gauche. Mets ta main sur l'oreille gauche et remets sur le Seigneur pour la guérison. Si tu as des douleurs au niveau de l'avant-bras gauche, le Seigneur te visite. Reçois la guérison. Quelqu'un qui a mis sa main sur le genou gauche, le Seigneur te guérit. Il y a la puissance de guérison maintenant. Il y a quelqu'un qui est guéri, une dame qui a le cancer de l'utérus. Mais à partir d'aujourd'hui, reçois la guérison. Parce que la parole nous a dit que Jésus guérissait toutes les maladies et toutes les infirmités. Rien n'est impossible à Dieu. Au nom de Jésus, reçois la guérison. Pour cet homme qui souffre de la maladie des os, ça te fait très mal, mais le Seigneur t'a visité. Il y a une dame qui est en train de pleurer maintenant. Tu sens les larmes qui coulent. C'est la puissance de Dieu qui se manifeste. À toi la gloire, la puissance et l'honneur, Seigneur, pour des siècles et des siècles. Je te remercie, Seigneur, pour la personne qui sent la présence de Dieu. Il y a quelqu'un qui est en train de prier avec moi, qui a des gris-gris dans sa chambre. Le Seigneur te demande de brûler ces gris-gris parce que tu es délivré. Tu as été visité par la puissance de Dieu. Il faut plus utiliser ces gris-gris. Il faut plus consulter les marabouts parce que le Seigneur te guérit. Il y a beaucoup de maladies dans ta famille. Il y a beaucoup de morts dans ta famille. Mais le Seigneur te visite et il te délivre dans le nom de Jésus. Merci pour ceux qui sont en train d'être délivrés de l'esprit d'adultère et d'impudicité. Il y a l'esprit d'impudicité et d'adultère qui est en train de fuir dans le nom de Jésus. Merci Seigneur pour ces jeunes et les dames. Il y a une dame qui est délivrée de l'esprit de masturbation. Il y a des gens qui sont en train d'être délivrés de l'esprit de masturbation. Merci Seigneur pour deux personnes qui sont guéries de la constipation au nom de Jésus. Il y a quelqu'un qui est libéré de l'esprit de la pornographie. Il y a une fille qui est liée par l'esprit de la pornographie. Merci Seigneur pour la personne qui a de prier et qui a des blessures dans la bouche. Il y a des petites blessures dans la bouche qui te font mal, mais reçois la guérison au nom de Jésus. Il y a quelqu'un qui est délivré de l'insomnie. Si tu as un problème d'insomnie, mets ta main sur la tête et remercie le Seigneur pour la guérison. Reçois la guérison au nom de Jésus. Merci pour la dame qui a un problème de tension artérielle. Il y a même un homme. Il y a un homme qui a le même problème de tension artérielle. Merci pour la guérison. Merci pour la visitation. Merci pour deux personnes qui sont guéries au niveau du dos. L'un c'est au milieu du dos, mets ta main là où tu souffres et l'autre c'est en haut, côté droit. Si tu souffres, si tu es en train de prier avec moi et que tu souffres au niveau du dos, mets ta main exactement là où tu souffres. Parce que le Seigneur est en train de toucher beaucoup de gens. Il y a quelqu'un qui souffre au niveau de la côte gauche. Si tu as des douleurs au niveau de la côte gauche, mets ta main et remercie le Seigneur. Il y a une personne qui est guérie de l'estomac, de l'ulcère. Tu souffres de l'ulcère, le Seigneur te guérit.
guérie. Merci Seigneur pour la personne qui souffre de l'asthme. Il y a une personne qui est guérie de l'asthme. Il y a deux couples qui sont en train de prier pour un enfant et que vous allez concevoir bientôt. Il y a une dame qui a déjà fait 3 fausses couches. Mais maintenant le Seigneur va te bénir. Tu vas bientôt concevoir et cet enfant va naître au nom de Jésus. Le Seigneur brise tout ce qui te liait, tout ce qui empêchait tes bébés de croître. Ce bébé que tu auras va croître pour la gloire du Seigneur. Il y a quelqu'un qui a mis la main sur l'oreille gauche. Tu sens beaucoup, beaucoup de douleur au niveau de l'oreille gauche, mais le Seigneur te guérit. Reçois la guérison. Il y a une dame qui souffre de la frigidité. Tu es frigide, tu ne désires plus ton mari, mais à partir de maintenant, tu es guérie au nom de Jésus. Il y a une autre maman qui a un problème de règles abondantes. Tu saignes pendant longtemps, mais à partir de maintenant, tu es guérie. Ce saignement doit s'arrêter au nom de Jésus. Merci pour les filles qui sont en train de te guérir. Il y a des filles qui souffrent des règles douloureuses. Elles souffrent pendant la période de menstruation. Mets ta main sur le bas-ventre et remercie le Seigneur pour la guérison. Il y a quelqu'un qui a des vertiges. Maintenant même, tu sens des vertiges. Le Seigneur te visite. Il est en train de te délivrer, toi et ta famille. Il y a quelqu'un qui a mis ses mains sur ses 2 genoux. Une maman, le Seigneur guérit tes genoux au nom de Jésus. Il y a quelqu'un qui est guéri, qui a un problème de maladie des nerfs. Ta maladie des nerfs est guérie. Reçois la guérison des nerfs au nom de Jésus. Il y a quelqu'un qui a mis sa main sur la joue, côté droit. Le Seigneur te guérit. Il y a des douleurs sur ton visage. Le Seigneur te guérit. Il y a quelqu'un qui souffre sur le talon. Tu as des douleurs au niveau du talon, côté droit. Le pied droit, au niveau du talon. Reçois la guérison au nom de Jésus. Il y a une autre personne qui est en train de prier pour son bras droit, son avant-bras. Tu as mis ta main sur le bras droit, l'avant-bras, reçois la guérison. Merci Seigneur pour ces guérisons. Merci pour toutes les personnes qui sont été touchées. Il y a une maman qui est en train de pleurer, qui est à genoux, qui sent beaucoup de douleur au niveau du bas-ventre. Reçois la guérison au nom de Jésus. Il y a une maman qui est en train de prier pour son enfant. Son enfant souffre de l'autisme. Ton enfant est guéri. Reçois la guérison au nom de Jésus. Merci Seigneur. Merci pour les enfants que tu es en train de toucher. Si tu pries pour un enfant, mets ta main sur l'enfant. Si tu n'es pas avec l'enfant, mets ta main sur ton cœur et reçois la guérison au nom de Jésus. Merci Seigneur. Merci pour le kyste que tu guéris maintenant. Il y a beaucoup de maladies qui sont en train d'être guéries. Reçois la guérison. Il y a une maman qui souffre de l'infection vaginale. Merci pour la guérison Seigneur. Merci pour la visitation. Il y a des gens qui sont visités. Il y a quelqu'un qui souffre au niveau de l'œil droit. Ton œil droit te fait mal. Mets ta main sur ton œil. Merci pour la maison qui est délivrée. Il y a une maison que le Seigneur vient de délivrer. Une maison qui était liée par les démons. La maison était liée et toute la famille était lié. Mais le Seigneur vient de briser toutes les chaînes au nom de Jésus. Merci Seigneur pour ta présence. Il y a des esprits d'impudicité qui sont en train de fuir au nom de Jésus. Il y a des jeunes filles et des jeunes garçons qui sont liés par l'impudicité et la masturbation. Il y a une dame qui est mariée qui est liée par l'adultère. Mais l'esprit d'adultère est en train de fuir la présence de Jésus. Merci pour la délivrance. Merci pour tous ces gens qui sont en train d'être délivrés dans le nom de Jésus. Il y a quelqu'un qui est délivré de l'esprit de colère. Tu as une colère démoniaque. Une colère qui te pousse à faire des choses incontrôlées. Tu perds le contrôle. Mais le Seigneur te délivre. À partir d'aujourd'hui, cet esprit de colère a fui au nom de Jésus. Merci Seigneur pour ta présence. Merci pour cette personne. Il y a un homme qui est malade, qui souffre de l'estomac. Mets ta main sur le ventre, côté gauche. Le Seigneur guérit ton ulcère. Tu ne manges pas n'importe quoi, mais à partir d'aujourd'hui, tu es libéré, tu es guéri. Reçois la guérison au nom de Jésus. Merci pour la personne qui vient d'être guérie de sinusite. Mets ta main sur le nez et remercie le Seigneur pour la délivrance. Il y a une autre personne qui a la maladie des nerfs. Tu souffres de la maladie des nerfs. Mais à partir de maintenant, le Seigneur te guérit. Merci Seigneur pour ta présence. Merci pour les personnes qui sont en train d'être guéries au niveau du dos. Il y a quelqu'un qui souffre en haut à droite au niveau du dos. Mets ta main sur le dos. Il y a une autre personne qui souffre au niveau de la colonne vertébrale. Je te remercie pour ces 2 dames qui sont guéries du dos. Il y a des maux de dos. Il y a une maman qui est par terre. Mais le Seigneur te guérit au nom de Jésus. Merci Seigneur pour cet homme et cette femme qui souffrent de l'asthme. Le Seigneur guérit 2 personnes, un homme et une femme qui souffrent de l'asthme. Il y a quelqu'un qui a mis sa main sur le cou, côté droit, un peu derrière. Le Seigneur te guérit. Merci Seigneur pour la personne qui souffre sur la côte, côté gauche. Il y a au moins 3 personnes qui ont la maladie de foie. Ton foie souffre. Mets ta main sur le ventre, côté droit et reçois la guérison au nom de Jésus. Toute maladie liée au foie, que ce soit l'hépatite B, que ce soit l'hépatite C, reçois la guérison et la foi. Le Seigneur est en train de toucher tous ceux qui souffrent de foie maintenant au nom de Jésus. Il y a quelqu'un qui souffre au niveau du pied droit. C'est comme si
il y a un clou en bas du pied droit, mais le Seigneur te guérit. Merci pour la personne qui souffre de l'oreille gauche. Ton oreille gauche souffre. Tu as des douleurs au niveau de l'oreille gauche. Le Seigneur te guérit. Reçois la guérison. Il y a quelqu'un qui a mis sa main dans les selles gauches. Reçois la guérison au nom de Jésus. Alléluia, alléluia. Il y a une personne qui souffre au niveau de l'œil droit. Tu sens des douleurs au niveau de l'œil droit. Reçois la guérison. Confesse la guérison. Le Seigneur t'a visité. Il y a une dame qui a mis sa main sur la gorge. Tu souffres de la gloître. Et les médecins t'ont dit qu'ils vont t'opérer. Mais le Seigneur t'opère. Reçois la guérison au nom de Jésus. Merci pour la fille qui a des boutons. Il y a une fille qui a des boutons au visage. Tu as essayé toutes sortes de pommades. Mais le Seigneur te guérit. Et bientôt, ces boutons vont disparaître dans le nom de Jésus. Merci Seigneur pour la fille qui est en train de prier pour sa mère. Il y a une fille qui est en train de prier pour sa mère. Tu as mis tes mains sur le ventre de ta maman. Que ta maman reçoive la guérison. Reçois la guérison dans le nom de Jésus. Merci pour le couple qui est en train de prier pour un enfant. Le mari est à genoux et il a mis ses mains sur le ventre de sa femme. Et bientôt, vous allez avoir un enfant. Il y a quelqu'un qui est en train de souffrir au niveau du coude, au niveau du bras droit. Et le Seigneur te guérit maintenant. Reçois la guérison au nom de Jésus. Merci Seigneur pour la dame qui a une fibrome. Tu as une fibrome et ça t'empêche de concevoir. Mais le Seigneur te guérit. Il y a quelqu'un qui a des douleurs. Tu as mis ta main sur le bras droit, à côté du poignet droit. Et à partir de maintenant, le Seigneur te guérit. Tu ne vas plus sentir cette douleur dans le nom de Jésus. Merci Seigneur pour les personnes qui souffrent de la constipation. Il y a quelqu'un qui souffre de la constipation depuis longtemps. Reçois la guérison au nom de Jésus. Il y a un enfant qui est épileptique. Une maman qui a prié pour son enfant. Son enfant est épileptique. Il souffre de l'épilepsie. Il tombe souvent par terre. Mais je prie pour la guérison de cet enfant. Cet enfant sent quelque chose. Il sent la chaleur. Le Seigneur le guérit. Tu es délivré. Reçois la guérison au nom de Jésus. Merci Seigneur. Merci pour quelqu'un qui a prié pour son père qui est à l'hôpital. Tu pries pour ton père qui est à l'hôpital et aie la foi que ton père est guéri. Il y a quelqu'un qui est en train de prier pour l'oreille gauche. Tu sens beaucoup de douleur. Tu as mis ta main sur l'oreille gauche. Ça fait longtemps que tu souffres. Tu as essayé toutes sortes de médicaments, mais reçois la guérison. Ton oreille gauche est guérie. Je dis ton oreille gauche est guérie dans le nom de Jésus. Il y a une maman qui est en train de prier pour son sein. On t'a diagnostiqué que tu as le cancer du sein, mais reçois la guérison au nom de Jésus. Rien n'est impossible à Jésus. Merci pour la dame qui a un problème d'anémie. Une dame qui est anémique. Il y en a deux. Deux qui souffrent de l'anémie. Et tu es en train de prendre les médicaments de l'anémie. Mais à partir de maintenant, tu es guéri. Reçois la guérison au nom de Jésus. Je vais demander à tous ceux qui sont en train de prier avec moi de louer le Seigneur, de remercier le Seigneur. Même si je n'ai pas cité ta maladie, le Seigneur a vu ta maladie et il t'a guéri si tu as la foi dans le nom de Jésus. Il y a quelqu'un qui sent la chaleur dans son corps. Le Seigneur te visite. Il y a la délivrance. Il y a des esprits qui fuient. Il y a des esprits de cauchemar. Je demande à tous ceux qui ont un problème de cauchemar, qui ont de mauvais rêves, qui n'arrivent pas à dormir, mettez la main sur la tête au nom de Jésus, dans le nom puissant de Jésus. Merci Seigneur pour ta présence. Merci Seigneur parce que tu es vivant. Merci pour la personne que tu viens de délivrer du problème de perte de mémoire. Il y a quelqu'un qui a un problème de mémoire. Tu oublies tout le temps, mais le Seigneur te guérit. Le Seigneur te libère. Il y a quelqu'un qui a un problème d'oreille, qui souffre au niveau de l'oreille et qui a de la pus qui sort de l'oreille. Le Seigneur te guérit. Merci Seigneur pour les deux personnes que tu viens de guérir le dos. Tous ceux qui souffrent du dos, mettez la main là où vous souffrez. Il y a quelqu'un qui sent des douleurs à haut, à droite, sur ton dos. Mets la main là où tu souffres. Et l'autre du côté gauche. Il y a des gens qui sont en train de te guérir du côté du dos au nom puissant de Jésus. Merci Seigneur pour cette personne qui est guérie de l'hémorroïde. Il y a beaucoup de guérisons. Je sens la présence de Dieu. Je sens la puissance. Il y a des esprits qui fuient. L'esprit de peur. Tous ceux qui ont un esprit de peur, ayez la foi dans le nom de Jésus. Merci Seigneur. Il y a la manifestation. Quelqu'un sent la manifestation au niveau de l'épaule droite. Mets la main là où tu souffres. Il y a quelqu'un qui a mis la main sur la côte, côté droit. Remercie le Seigneur parce que tu es visité. Il y a quelqu'un qui souffre au niveau du bras droit, sur l'avant-bras. Le Seigneur te guérit. Merci Seigneur pour la personne qui est guérie de l'oreille gauche. Il y a deux personnes qui souffrent dans les selles, côté droit et le côté gauche. Mettez la main dans les selles et remercie le Seigneur parce qu'il y a la guérison, il y a la puissance de Dieu. Je te remercie Seigneur pour la personne qui a un problème sur l'orteil, du pied gauche. Merci parce qu'il y a la guérison, il y a la présence de Dieu. Il y a quelqu'un qui sent des douleurs au niveau de la coude gauche et quelqu'un d'autre au niveau du cou, ton cou. Il y a des gens qui sont en train d'être guéris au niveau du cou. Mets la main là où tu as des douleurs, tu sens les douleurs, mais le Seigneur te visite. Il y a quelqu'un qui est guéri de l'estomac. Merci Seigneur pour ta présence. Merci pour la personne qui est guérie de l'estomac. Ça fait longtemps que tu ne manges pas n'importe quoi, mais à partir de maintenant, tu es guéri. Mets ta main sur le côté gauche, sur ton ventre et remercie le Seigneur pour la guérison. Il y a la puissance de Dieu. Il y a quelqu'un qui est guéri de l'oreille gauche. Tu souffres
souffre de l'oreille gauche, il y a la présence de Dieu. Et encore une personne sur le dos, côté gauche, mets ta main là où tu souffres. Il y a une personne qui est guérie maintenant même. Tu sens quelque chose au niveau du dos. Merci Seigneur pour ta présence. Merci parce que tu es le même hier, aujourd'hui, éternellement. Tu ne changes pas. Il y a quelqu'un qui a un problème sur le poignet gauche. Le Seigneur te guérit. Merci Seigneur. Il y a des gens qui sont en train d'être délivrés. Il y a quelqu'un qui souffre de l'hépatite C. Merci le Seigneur. Il y a un homme qui est guéri de l'impuissance sexuelle. Il y a une dame qui est en train de prier pour son enfant qui est enceinte. Tu as peur que cet enfant va mourir parce que tu as entendu de mauvaises nouvelles de la part du médecin. Mais le Seigneur te protège dans le nom puissant de Jésus. Ton enfant va naître au nom de Jésus. Merci Seigneur. Merci pour la dame qui est en train de prier. Tu as été plusieurs fois enceinte, mais les enfants meurent après 2 mois. Il n'y a aucun bébé qui dépasse 2 mois dans ton ventre. Mais à partir de maintenant, tu vas concevoir et ton enfant va naître au nom de Jésus. Il y a quelqu'un qui a des vertiges. Tu sens comme si tu veux tomber. Il y a quelqu'un qui tombe par terre. Reçois la puissance de Dieu. Que cet esprit qui te lie fuit. Si tu as envie de vomir, vomis. Parce que le Seigneur te guérit maintenant. Il y a la présence de Dieu. Il y a la puissance. On sent la puissance de Dieu. Il y a des gens qui sont délivrés. Il y a une maman qui n'arrive pas à parler. Tu es en train de crier. Tu pleures. Tu sens les larmes. Tu sens la chaleur. Mais le Seigneur te guérit. Il y a la présence de Dieu. Je te loue, Seigneur, pour la délivrance. Je te loue pour cette famille qui est délivrée. Il y a une famille qui était sous la malédiction pendant longtemps, mais le Seigneur te délivre. Il y a une fille qui n'a jamais pu se marier parce qu'elle était liée. Reçois la guérison, reçois la délivrance au nom de Jésus. Merci Seigneur, merci, merci, merci. Merci pour tous ces gens qui sont en train d'être délivrés. Il y a la victoire, il y a la délivrance, il y a la guérison. Il y a quelqu'un qui souffre de l'hypertension. Reçois la guérison dans le nom de Jésus. Il y a quelqu'un qui est en train de prier pour son enfant à l'hôpital. Et une autre prie pour sa mère qui est à l'hôpital. Il y a 2 personnes qui vont sortir de l'hôpital dans le nom puissant de Jésus. Il y a quelqu'un qui écoute à partir de l'hôpital. Et une autre personne est en train de prier pour toi. Il a mis les mains sur toi. Mais reçois la guérison au nom de Jésus. Alléluia. Il y a une dame qui souffre de la constipation. Ça fait longtemps, des années que tu souffres de la constipation. Tu as essayé tout, toutes sortes de médicaments. Mais à partir d'aujourd'hui, il y a la puissance. Dieu, visite. Reçois la visite. Le Seigneur te guérit. Merci Seigneur pour ta présence. Merci pour cet homme qui a un problème de rein. Tu as des sondes sur toi, mais le Seigneur te guérit et tu vas débrancher toutes ces sondes parce que le Seigneur te donne la guérison lui-même. Il y a quelqu'un qui sent des vertiges. Il y a une puissance de Dieu. Je sens la force de Dieu. Merci Seigneur parce qu'il y a quelqu'un qui sent déjà la manifestation. On sent déjà la manifestation. Quelqu'un qui a des maux de tête atroces. Tu as essayé les médicaments. Les médicaments ne t'aident pas, mais tu as mis tes 2 mains sur la tête. Dieu te visite. Reçois la visitation. Au nom de Jésus, tu es guéri. Il y a une dame qui est mariée. Ton mari t'a quitté. Tu viens de prier pour ton mari. Le Seigneur a visité ton mari. Bientôt, ton mari va retourner à la maison. Le Seigneur a entendu ta prière. Il y a une puissance de délivrance. Je te remercie, Seigneur, pour les 2 filles. Il y a 2 filles qui sont en train de prier pour le mariage. Au nom de Jésus, recevez votre miracle. Il y a une fille qui a plus de 40 ans. Le Seigneur va te connecter avec l'homme qui sera ton mari. Merci Seigneur pour ton amour. Merci pour la visitation. Il y a des gens qui sont libérés maintenant. Il y a beaucoup de gens qui sont liés par l'esprit de la mort. Mais à partir de maintenant, vous êtes libres. Le Seigneur vous délivre. Il y a une famille qui est liée par l'esprit de la mort. Que cet esprit de la mort soit brisé au nom de Jésus. Merci Seigneur. Parce que tout ce qui est révélé est condamné. Merci pour ce que tu viens de faire. Il y a un homme qui souffre de l'infection urinaire. Si tu souffres de l'infection urinaire, aie la foi que le Seigneur t'a visité. Le Seigneur entend toutes les prières. Je vous demande de confesser votre maladie. Et surtout, remercier Dieu pour la visitation. Ceux qui sont visités, ce n'est pas seulement ceux qui sentent la manifestation. Mais si tu as la foi, le Seigneur te visite. Il y a beaucoup de guérisons. Je sens beaucoup de guérisons. Il y a une fille qui a beaucoup de boutons dans le visage. Tu as essayé toutes sortes de pommades. Mais à partir d'aujourd'hui, tu es guéri. Le Seigneur te guérit. Il y a quelqu'un qui sent la chaleur dans la jambe gauche. Le Seigneur te touche. Alléluia. Merci Seigneur pour ceux qui sont d'être guéris au niveau du dos. Il y a beaucoup qui souffrent au niveau du dos. Il y a quelqu'un qui a mis sa main sur le dos en haut à gauche. Et l'autre juste en bas, au nom de Jésus, reçoit la guérison. Tous ceux qui souffrent au niveau du dos, mettez la main là où vous souffrez et ayez la foi parce que vous êtes guéri. Le Seigneur vous a visité. Je sens la visitation. Il y a une puissance de délivrance. Merci Seigneur pour les 2 personnes qui sont guéries de la maladie des nerfs. Si tu souffres de la
la maladie des nerfs, le Seigneur te guérit. Reçois ta guérison. Il y a une femme qui souffre de la toux sèche, une toux sèche. Ça fait longtemps, tu as essayé beaucoup de médicaments, mais le Seigneur t'a localisé, il te touche. Reçois la guérison au nom de Jésus. Merci Seigneur pour les deux personnes qui sont guéries du diabète. Il y a un homme et une femme, ce n'est pas un couple, un homme et une femme qui ne sont pas ensemble, mais le Seigneur vous guérit. Alléluia. Merci Seigneur pour le couple qui vient de prier pour un enfant. Il y a un couple qui s'est marié il y a 2 ans, vous n'avez pas d'enfant, le Seigneur vous touche, le Seigneur vous visite. Il y a même une dame qui vient de prier pour un enfant, ça fait 6 ans que tu n'as pas conçu, le Seigneur te touche. Il y a 3 personnes qui ont mis la main sur la gorge, vous souffrez au niveau de la gorge, le Seigneur vous touche. Il y a une puissance de guérison, je sens les gens qui sont guéris, je sens la délivrance. Il y a quelqu'un qui a des vertiges, tu as envie de tomber, mais le Seigneur te touche, c'est le Saint-Esprit qui te touche. Tu sens le feu dans la peau, mais c'est le Seigneur, c'est le feu du Saint-Esprit. Merci Seigneur, merci pour les 2 hommes qui sont impuissants, mais qui sont guéris. À partir d'aujourd'hui, vous êtes guéris. Merci pour la dame, il y a une dame qui est visitée, tu viens de prier parce que tu souffres de la sécheresse vaginale, mais à partir d'aujourd'hui, tu es guéri. Reçois la guérison. Il y a quelqu'un qui a mis sa main sur la cheville gauche, sur le pied gauche, le Seigneur te guérit. Je sens beaucoup de guérison, beaucoup de délivrance. Il y a quelqu'un qui a mis sa main sur le visage, au niveau de la pommette, tu as des douleurs, tu as un visage enflé, mais le Seigneur te touche. Reçois la guérison, reçois la délivrance. Il y a quelqu'un qui a mangé de la sorcellerie, il y a la sorcellerie, mais à partir d'aujourd'hui, tu es guéri, tu es libre au nom de Jésus. Merci Seigneur, merci, merci pour cet enfant qui souffre de la bronchite. Il y a un enfant qui est guéri, une maman qui a de prier pour son enfant, un fils, un garçon qui souffre de la bronchite. À partir d'aujourd'hui, tu es guéri. Que cette bronchite soit guérie au nom de Jésus. Je prie pour tous les enfants qui sont malades, tous les parents qui sont de prier pour les enfants. Et il y a quelqu'un qui est en train de prier pour un bébé qui souffre de la fièvre. Reçois la guérison au nom de Jésus. Merci Seigneur, merci pour la visitation. Il y a quelqu'un qui a mis sa main qui souffre du rein. Le rein droit souffre. À partir d'aujourd'hui, tu es guéri. Merci Seigneur pour la personne qui a un problème de dent. Il y a une dent qui te fait mal. Reçois la guérison. Merci Seigneur. Je sens la puissance de Dieu. Il y a une maman qui est en train de prier à partir de l'hôpital. Le Seigneur t'a visité. Tu vas sortir de cet hôpital. Alléluia. Merci Seigneur. Merci pour cet homme qui souffre de la AVC. Il y a un homme qui souffre de la AVC. Tu n'arrives même pas à marcher, mais le Seigneur te touche. Tu es guéri au nom de Jésus. Alléluia. Il y a quelqu'un qui a envie de vomir. Tu sens la nausée. Le Seigneur t'a visité. Je te remercie Seigneur. Je te remercie pour la fille qui a mis sa main sur le bas-ventre. Tu souffres beaucoup. Tu as beaucoup de douleurs pendant les menstruations. Tu souffres. Parfois, tu vas même à l'hôpital. Il y a au moins 4 filles qui sont de prier parce que vous souffrez beaucoup. Le Seigneur vous visite. Vous êtes guéri. Recevez la guérison au nom de Jésus. Il y a quelqu'un qui a beaucoup de douleurs au niveau de l'oreille gauche. Tu as beaucoup de douleurs. Tu souffres au niveau de l'oreille gauche. Mais le Seigneur t'a visité. Éternel des armées, je te remercie parce que tu es fidèle. Je te remercie parce qu'au nom de Jésus, tu nous entends. Je te remercie pour tous ceux qui sont libérés. Je te remercie pour la puissance, pour la victoire. Je demande à tout le monde de remercier le Seigneur. Je ne peux pas citer toutes les maladies, même si je n'ai pas cité ta maladie, même si tu ne sens rien comme manifestation. Le Seigneur t'a touché si tu as la foi. Commence à remercier le Seigneur. Éternel des armées, nous te remercions. C'est dans le nom puissant de Jésus que nous avons prié et que nous croyons. Amen. Si vous remarquez que vous êtes guéri ou que vous voyez des signes de guérison, envoyez-nous un audio, un message de témoignage pour que les autres soient édifiés par votre témoignage. Si vous voulez recevoir Jésus, accepter Jésus qui guérit ces maladies, Jésus qui fait des miracles, si vous voulez le recevoir comme votre Seigneur, votre Sauveur, écrivez-nous et on va vous aider.